suis malade. Bonjour et bienvenue. Eric, je vais bien. Merci. Ok. Je demande au Saint-Esprit d'ouvrir votre esprit. J'enlève la peur. Financière, la peur de votre esprit. Je demande que pendant que je parle,
Que votre cœur soit ouvert. Que tout ce qui avait été scellé soit décelé. Je demande l'ouverture de votre esprit et la sagesse divine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bienvenue. Je sais que pour certains d'entre vous, ce n'est pas facile. Hier, j'ai eu au moins 3 personnes qui m'ont fait des messages. La première me dit qu'elle était agressée et tapée. On l'a tapée physiquement. Donc, je ne vous parle pas des dommages psychologiques. La deuxième me dit, je ne crois plus en moi. Je ne sais même pas où je pars. Je ne sais même pas ce que je fais. Et la troisième, depuis que j'écoute tes vidéos, j'ai tous les problèmes de la terre qui m'arrivent. J'ai dit d'accord. Et je pense que ce n'est pas par hasard que les ancêtres ont permis. Ou bien ils ont attiré mon attention sur cela hier. Vous savez, vous êtes tous, certains d'entre vous, vous partez au boulot. D'autres, vous êtes couchés dans votre lit. Vous ne savez même pas ce que vous allez faire de votre journée. Je sais que vous pensez que pour certaines personnes, c'est toujours facile. Genre, ouais, toi, tu as toujours le courage. Je précise à ceux qui sont sur Facebook, je n'envoie les demandes à personne. Donc, il y a des scammers qui sont au Bénin, qui sont dans certains pays, qui vont vous contacter. Je vous le dis encore, moi, je ne vais pas vous contacter. Si vous voulez, si votre argent, lavez vos selles. Quand ils vont vous écrire, vous allez les sentir. Parce que quand vous parlez, vous ne vous lavez même pas dans vos selles. Peter, j'ai déjà dit ça tellement de fois. Mais il y a les gens qui aiment prendre les pièges. Vous aimez la facilité. Tu penses que t'asseoir 2 heures de temps pour m'écouter, c'est beaucoup. Quelqu'un vient et te dit, ah non, moi, je vais faire ton travail rapidement. Je vous dis, moi, en roha. Il y a des gens qui attendent même un mois pour me parler. Il y a une femme qui me dit toujours que depuis mai, elle a payé la consultation. On est en octobre. Donc, si on vous contacte et c'est tellement facile, posez-vous encore les questions. Moi, je vous préviens d'abord. Et ils vont vous rassurer. Ils vont vous dire, je vais te faire l'appel vidéo. Envoie d'abord l'argent. Donc, soyez vigilants. Et dis-moi toujours comme ça, vous partez encore tomber dedans, non? Partez tomber. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Je reviens au problème de mes gens. Vous allez traverser, si vous ne traversez pas déjà, il y en a, vous me connaissez, vous êtes tombé sur ma page. Tu es aux États-Unis, tu as un bon boulot, hein? C'est pas l'argent qui te manque. Mais il y a ce vide-là que tu as en toi. Ou encore, tu es arrivé à un moment où les ancêtres sont en train de vraiment te mettre à l'épreuve, te pousser. Il faut que tu te rapproches d'eux. Il faut que tu découvres pourquoi tu es venu sur la terre. Il y en a parmi vous, vous aviez le choix entre
une profession et une autre. Vous avez choisi ce qui allait vite donner l'argent. Et ce qui allait vite vous donner l'argent, là, n'est pas attractif. C'est aussi là. Donc, vous faites seulement pour faire. Donc, je donne encore le cas de figure des personnes qui ont commencé le bain de pipi. Déjà, ça t'a pris du temps pour que tu te laves même avec le pipi. Parce que quand tu m'écoutais au départ, tu disais, ah, qu'est-ce que la fille se raconte? Une autre escroc sur Facebook. Vous savez comment les escrocs s'habillent? Les escrocs viennent pour vous flasher. Avec les beaux habits, le beau make-up. Quand tu regardes la personne, ça, tu vois les Ralph Lauren, les Louis Vuitton. Tu dis non, elle ne souffre pas. Elle ne peut pas vouloir m'escroquer. Bonjour, bonjour. Bonjour. Elle ne peut pas vouloir m'escroquer, non. Je suis ici là parce qu'on me demande de faire les vidéos. Hein. C'est que je vous assure, c'est en train de dormir, moi. On me réveille le matin, 5 heures. Voilà le message que tu dois leur donner. C'est comme si je suis connecté à... Je suis un peu la voix qui dit fort ce que vos ancêtres vous disent tout bas. Vos guides. Mais vous ne comprenez pas. Madame Croche qui dit qu'elle a froid quand elle fait le bain à 5 heures. On fait ce qu'on a à faire, ma chérie. You gotta do what you have to do. Tu fais ce que tu as fait pour atteindre ton objectif. Si on te dit que c'est le bain là, le bain de chaque matin, que chaque matin que tu te laves à 5 heures, avec l'eau congelée, tu as 1 million. Je t'assure, tu vas te laver à 3 heures, pourquoi mettre ça à 2 millions? Comme en faisant ça au départ, tu ne vois pas l'argent sur place, tu te dis, ah. Je vous rencontre tous les jours. Vous me croisez dans la rue. Et demandez que tu fais alors. Ah, tu sais, moi j'ai fait une fois. Vous allez connaître le genre d'adversité que vous n'avez encore jamais connu avant. Ce n'est pas la blague. Merci pour le partage. Merci à ceux qui partagent mes vidéos. Vous allez comprendre que c'est comme si tu es sur un champ de bataille. Tu ne peux pas dormir. Je suis comme dans le rêve, souvent tu rêves que tu es en train de faire ton bain de pipi parce que tu sais que dans une heure, il faut que je me lève pour me laver. Bonjour Yann. Le lavage au sel et au pipi, c'est la magie. Je confirme les miracles dans ma vie. Ça, c'est super ça. Je vous préviens parce que beaucoup d'entre vous. Bon, madame Croche, tu dis que quand tu fais le bain, il n'y a que les hommes fructueux qui te draguent. Il faut que les gars là te draguent et ils te donnent l'argent. On te drague, on te drague, on t'amène, tu manges, tu manges. Tu manges pour 100 000, on te donne 5 000 pour le taxi. Et quand il vient, il voit ta marchandise, il paye. Il faut que l'argent entre dans ta main. Sortez de vos souffrances là, vos fausses souffrances là. C'est un homme bien. Il dit quoi alors? Il dit quoi? Il dit rien, nous libère la ligne. Libère-nous la ligne. Bon, on donne le numéro d'abord, numéro de téléphone. Deux numéros au Cameroun, un numéro au Gabon, un en Côte d'Ivoire. Cameroun,
Ça, c'est pour tous les pays, peu importe le pays où tu es. Tu prends le numéro signe. Ah, tu as rêvé de moi, mademoiselle Stacy. Beaucoup de personnes rêvent de moi. La majorité, je suis en train de les laver dans leurs rêves. Certains, je suis en train de prier sur eux. Donc, Cameroun 00237. 650. 55, pardon. 655. 310750. Ça, c'est pour Yaoundé. Si vous voulez les produits à Yaoundé. 655. 310750. Donc, le local à Titi Garage est à nouveau ouvert. Ah, je te tenais la main sur un sentier dans ton rêve. Ça veut dire que mes enseignements vont t'aider à trouver ta voie. Mais ne me faites pas interpréter les rêves. Je ne vais pas interpréter les rêves ce matin. Vraiment pas du tout. Peut-être à la fin, mais il faut d'abord que mon message passe. Ok. Merci à ceux qui ont partagé la vidéo. Comme vous avez partagé là, je vous bénis. Le numéro de doigt là, 00237. 680. 71 07. 50. L'esprit me demande de déclarer sur ta vie que tu es arrivé à la fin de ton attente. Je vois une personne que tu as beaucoup attendue. Des choses sont bloquées depuis 6 mois, depuis 8 mois. Tu attends, tu attends. On m'a dit, qu'il faut que tu peux encore demander. Appelle encore l'office là aujourd'hui. Tu dis bonjour. Tu fais ton pipi, ton bain de pipi là. J'explique le bain de pipi rapidement. Donc tu as déjà pissé, donc aujourd'hui c'est chaud, tu peux plus faire. Avant de dormir là, il faut pisser beaucoup. Il faut boire beaucoup. Tu recueilles un demi-verre. Et une femme qui m'a écrit une fois, elle m'a dit qu'elle faisait avec le pipi sans diluer. Donc, tu mets ton pipi. Si tu as du sel, tu mets le sel dedans. Pipi, sel, arc-en-ciel et donne-moi tout. Ça, c'est la recette miracle. Maintenant, supposons que tu viens de m'écouter, tu n'as pas tout ça. Tu prends ton pipi, tu pars à la cuisine. Tu prends un peu le sel de ta tante, là, comme tu viens encore chez ta tante. Le sel de ta mère. Tu prends un peu de ça, tu verses dans ton pipi. Tu mets 3 à 5 litres d'eau dedans. Tu prends ta Bible, tu lis le psaume 35. En entier. Le sel arc-en-ciel, on le vend aussi. Donc, ceux qui sont au Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun, on vend ça. Là, c'est pour ceux qui sont déjà, ont déjà fait le bain de pipi, maintenant ils veulent arriver à un autre niveau. Le donne-moi tout, c'est un produit que je fabrique. Même pas ça ici sur la table. Tu mets le donne-moi tout sur ta langue, tu mets l'autre dans le pipi. Dans le bain que tu veux faire. Et si tu as ça, le piment de Guinée. Souvent, tu peux même écraser 7 grains de piment de Guinée. Tu mets dans ton bain. Tu mets l'autre sur ta bouche. La douce, on n'est pas ici là pour raconter cette tristesse. Tu as compris? Tu es orpheline. Tu sais combien de personnes sont orphelines sur la page ici? Je suis là pour vous apporter des astuces qui vont vous aider à sortir de la dépendance spirituelle. Voilà. Je disais ceci, tu fais ce bon, tu mélanges ce pipi là, ça doit être ton premier pipi du matin. Donc si tu as déjà pissé, pas faire ça aujourd'hui. Ça doit être ton premier pipi. Donc quand je parle de premier pipi, si ton premier pipi c'est à 3 heures, tu fais à 3 heures.
Si ton premier pipi, c'est à 7h, tu fais à 7h. Mais je vous conseille de faire quand c'est encore noir, parce que quand il y a 7h, 8h, là, les gens bougent déjà. Voilà. Donc, quand tu vas faire ça ce matin, si tu as le donne-moi tout, tu mets 7 gouttes de donne-moi tout dedans. Si tu n'as pas le donne-moi tout, tu ne fais pas le donne-moi tout. Donc, tu mets une goutte sur ta langue. Merci. Tu mets 7 gouttes dans l'eau. Merci, Gina. Bon. En faisant ce bain, je sais que pour certains d'entre vous, ça fait des jours que vous attendez, ça fait même des mois. Tu dois déclarer. Donne-moi tout, c'est une potion. C'est un parfum, en fait, que vous devez ajouter. Vous achetez ça quand vous achetez les produits. J'ai un kit. Vous avez dit que je vends les kits, non? Par exemple, voici un kit ici. Ça, c'est le kit fondation. Donc, le donne-moi tout vient dans. Ça vient comme ça. Ça, c'est le parfum anti-sorcellerie. Donne-moi tout, c'est un parfum comme ça, mais il est noir. Donc je vends ça au Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun. On poste aussi en France et tout ça. Là, on vous envoie ça par DHL. Vous voyez, dans les kits, il y a le don. Il y a des poudres pour enlever les poisons de nuit, là. Ça, là, tu lèches ça, ça t'enlève les poisons qu'on a mis dans le ventre, là. Ça enlève ça. Pareil, ça aussi, ça enlève le poison de nuit dans le corps. Donc les kits sont généralement sous cette forme ici. Parfois pour poster que ça passe mieux, on met dans les plastiques. Donc j'enlève du plastique, ça fait plus plat. On te livre ça. Donc il y a les kits pour les malédictions générationnelles. Peut-être tu arrives à te marier, ça vient de ta mère qui a pris de sa mère, qui a pris de sa mère. Tes papiers sont bloqués. Tu n'as pas forcément besoin de la consultation pour prendre les produits. Il y a aussi le kit déblocage plus, qui est un peu comme un kit anti-sorcellerie. Il y a plein de trucs dedans pour enlever. Beaucoup d'entre vous, quand vous êtes bloqué, il y a des choses parfois qu'on a envie de mettre dans votre corps la nuit. Donc, ça, c'est pour ça que ça sorte. Il y a le thé de désenvoûtement dedans. Le thé de désenvoûtement, les gens qui veulent concevoir. Les gens qui ont les. Tout le monde à la maison doit boire ça. C'est à ton mari peut-être qui dérange un peu. Je lui donne ça. Le numéro du Gabon, je n'ai pas donné, oui. 07 074 18 00 80. Retenez avant de vous écrire après. 074 18 00 80. Numéro de Côte d'Ivoire, 225 05 01. 490595. Donc pour la Côte d'Ivoire, 225 0501 490595. Donc 0501 490595. Je serai en Côte d'Ivoire en mi-novembre. Donc dans quelques jours, on va ouvrir là-bas. Vous pourrez aussi faire des consultations sur place. Pour ceux qui sont en France, vous achetez un poste par DHL. Voilà. Donc, on a le kit célébrité pour ceux qui ont leur business en ligne. Le kit commerce pour ceux qui ont leur commerce là qu'ils ont lancé, ça ne marche pas depuis.
Vous prenez, vous lancez certains. Il y a certains produits que vous mettez dans votre magasin, d'autres que vous mettez dans le tiroir de votre business, des choses comme ça. Ok? Pour le Cameroun, c'est le 680-71-07-01. Le kit pour les malédictions familiales au Cameroun, c'est 55 000. Donc, les prix varient en fonction des pays. Je ne sais pas pourquoi je ne mets pas trop en avant mes produits dans les vidéos. Parce que je parle beaucoup. Donc, il y a le kit fondation. Ça, c'est pour. Et le kit fondation, il y en a parmi vous que vous devez faire ça même 5 fois. Tu as fait le kit fondation même 5 fois. Le kit commerce au Cameroun, c'est 65 000. Maintenant, quand c'est 65 000 au Cameroun, ça veut dire que toi, tu vas payer les frais d'envoi pour la France. En Côte d'Ivoire, le kit de 65 000, c'est 80 000. Et en Côte d'Ivoire, on vous poste ça par Jumia. Vous recevez après 2 jours. Kinshasa aussi, on peut vous poster, oui. Prenez le numéro, vous nous écrivez. Je crois qu'on a un transiteur qui envoie ça là-bas. Le numéro du Gabon, c'est le 074. 074-18-0080. Donc, on voulait qu'elle fasse la pause pub. Je vais parler des produits alors. Posez des questions sur les produits, je vous réponds une fois. Vidal Moko, quand tu manges souvent, tu envoies ma part. Donc. Hier, quand tu as mangé pour dormir, tu as demandé pour moi. Si tu as un problème pour tes finances, c'est que tu fais le lavage de sel et pipi. Prends le petit déblocage, d'abord le petit. Parce que vous pleurez trop l'argent, ça qui m'énerve avec vous. Et tu fais un lavage à distance. Les frais de transport pour la France, si tu es à Paris et que tu connais un transitaire, on dépose chez la personne qui te donne là-bas à Paris. C'est 3 kilos. Un congrès, c'est 3 kilos. Maintenant, pour les autres pays, on n'envoie pas DHL. Pour la France, les frais de DHL, c'est 45 000. Et à les endos, c'est 50 000. Les endroits comme les États-Unis, tu achètes au pays, mais les frais de DHL. C'est pour ça que quand vous achetez de 0 à 5 kilos, si c'est la France, on va te prendre 45 000. Maintenant, je précise, ça peut varier en fonction de la dimension. Il y a des gens qui prennent souvent les lances. Vous voyez les lances, non, les bâtons. Et c'est long. Donc, DHL va demander des tarifs différents. Donc, si vous achetez le produit, on vous donne le coût de DHL. Bon, supposons que tu payes ton kit à 55 000. Tu payes maintenant le DHL 45 ou 50 000. Ça te fait 105 000 francs CFA. Donc en euros, ça fait environ 150 euros. Maintenant, si tu as quelqu'un au pays qui est en train de monter sur une bain, il prend ton attente qui te donne. Mais il y a des gens qui préfèrent que personne ne touche leurs choses. Donc, quand ils achètent, ils disent que personne ne touche. On part à DHL, on poste, ils partent à la BDT. Même la Suisse, on poste en Suisse. Le kit commerce, c'est 65 000. Allez prendre votre kit commerce. Il y a le bâton de commandement dedans. Parfois, il faut venir partager vos témoignages ici. Jules. Jules, c'est Julien. Julie, n'est pas c'est toi qui paye mon loyer. Mamie, j'aime l'argent.
T'as compris, mamie? Je ne me suis même pas du mal pour t'insulter aujourd'hui. Donc, tu m'as décrit. Moi, j'aime mal l'argent. Tu penses que ce n'est pas bien. C'est ton problème. C'est ton opinion. Le kit de déblocage, le grand kit de déblocage au Gabon, c'est 70 000. T'as compris, non? Clémence, il faut appeler le contact, le numéro 00237 680 71 07 01. Généralement, j'enseigne même seulement des produits. Je n'ai même pas trop mes produits sur la page. Même quand ça, ils vendent toujours. Tu sais que les jaloux, hein? Tu sais, quand quelqu'un n'a pas mangé depuis 3 jours, il vient sur ta page, il voit comment tu vends les choses. Les gens achètent. Ça les nerve jusqu'à. Je suis à Saint-Germain, à Libreville. La personne est au macabre pour rien. Tu vois, non? Tu vois, non, ma chérie. Donc, si tu n'achètes pas, il y a quelqu'un qui va acheter. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et confiance, quand tu ne connais pas combien d'années j'ai mis pour arriver à ce que je fais. Je ne le connais pas. Donc, ne voyez pas les gens, ça là, vous dire que, ah, après, on ne connaît pas ton chemin pour arriver là où tu es. Donc, quand tu es en train de quelqu'un te voit manger ton argent, rouler tes grosses voitures, tu ne connais pas ce que la personne a fait. Tu vois le nombre d'années que la personne a galéré en ayant une vision. Ta famille se moque de toi. Que Jocelyne fait dans quoi le mois-ci? Hein? Elle fait dans quoi? Ah, la fille là s'embrouille trop, pardon. Dans 6 mois, elle va changer. Oui, il y a le produit pour les enfants. Je vous ai parlé déjà de ça, le thé de désenvoûtement, là, vous devez prendre ça. Beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à concevoir parce que il y a des choses qu'on a mis dans votre corps. Il y a des mauvais esprits qui viennent se cacher dans tes trompes. Sérieux? Ton premier enfant a déjà 15 ans. Tu as retiré le contraceptif depuis même 5 ans, 6 ans. Chaque mois, tu as des relations avec quelqu'un. Non protégé. Il n'y a pas d'enfant. À chacun sa chance. La vie, c'est la chance. Non, ne blaguez pas. Moi, je vous ai seulement dit que quand vos choses vont commencer à marcher, ça va déranger beaucoup de personnes. Il y en a parmi vous, avant, vous connaissez seulement prier et jeûner. Maintenant, quand il vient vous donner des trucs de bain de pipi, des bains de cela, il y en a parmi vous que ça fait 3 ans que tu attends tes papiers. On a là creusé tout le job au village, on t'a donné, tu as mangé l'autre, tu te laves avec l'autre. Rien. Maintenant, on vient, on te dit, prends le thé, un petit thé. Je dis que le thé coûte 10 000 au Cameroun. Par mois, tu as peut-être même de 1 ou de 2. Bois, tu te puches avec l'autre. J'ai tellement de témoignages. Il y a des gens qui me disent souvent que quand ils boivent, oh, j'ai bu ça, j'ai vu. J'ai vomi la glaire jusqu'à. Quand tu mets le thé là avec le jeûne, alors, tu vas voir les tout maniaques à bober sortir de ton corps. Marie, je demande à ta cousine là, elle achète un de mes produits, elle se lave avec. Soit bien, elle la lave. Je demande que pour me voir les jours, là, c'est très chaud, c'est dur. C'est très, très dur. C'est pour ça qu'elle fait les produits, elle met à votre disposition. Bonne journée, Julie. Bon chemin, ma chérie. T'as compris, ma chérie?
Laisse-moi faire mon commerce, je pointe moi mes dos. T'as compris? Merci. Faut pas venir gâter le business des gens. Il y a les Béninois qui pointent sur ma page. Ils prennent ma photo, ils mettent sur leur WhatsApp, ils parlent aux gens. Je vous ai parlé si fatigué. Arrêtez de vous faire scammer par les Béninois. Comment on dit que j'aime l'argent là? Oui, tu peux prendre le titre fondation sans faire la consultation. Il y a des vidéos que tu, explicatives que tu vas regarder et tu vas faire. Mais je veux que tu demandes l'offrande à l'eau. Envoie ton nom. Envoie ton nom. Bonjour Stéphane. J'avais donné, j'avais l'offrande, j'ai fait. Il n'y a que depuis 2 semaines que je n'ai pas fait. Mais ceux qui ont payé avant 2 semaines, vos offrandes ont été faites. S'il y a un truc que je ne fais pas, je ne prends pas votre argent pour manger. Mamie, c'est l'argent de la malédiction de vos esprits. Vous avez vu les Béninois qui partent escroquer les gens pour la spiritualité là. Je vais vous raconter l'histoire de Gehazi dans la Bible. Élie a passé le bâton à Élisée. Élisée a pris le bâton, il a commencé à exercer. Élisée avait un serviteur qui s'appelait Gehazi. En français, je ne sais pas comment on dit ça. Mais c'est qu'en anglais, c'est Gehazi. Voilà. Il y avait Elijah, Elisha et Gehazi. Marius, mon numéro est sur la page. Ouais, un numéro sur la page. Vous ne voulez pas un numéro, vous voulez tout me dire. M'interrompre dans mes directs. Orange Money, tout ça est là-bas. Faites aussi comme les adultes, non? Ouais. Vous faites plus comme les enfants, ça m'énerve. Ils sont partis pour soigner. Il y avait un chef d'armée, je ne sais pas s'il s'appelait Naman ou Aman. Mais c'était un grand de l'armée en tout cas. Donc, il avait la lèpre sur lui. Le monsieur dit, ouais, j'ai la lèpre, aidez-moi. Je ne sais pas si c'est celui qu'on avait envoyé se laver dans l'eau. On lui dit, va te laver dans l'eau là-bas parce que vous pensez que je suis insolente. Élisée était, il avait l'insolence de ça. Le chef d'armée vient. Il a payé la consultation chez Élisée. Il vient avec sa grosse voiture, sa Cayenne. Choudan, si mon manger te dérange, pardon. Ouais, je t'en prie. Internet est libre. Déconnecte-toi. T'as compris? Oyoa. Voilà. Donc, il garde sa Cayenne. Il envoie. Allez me chercher Élisée là. Dis-lui que je suis là. On arrive, on dit à Élisée. Élisée dit, oh, ok. Allez lui dire d'aller se laver dans la rivière. Il y a une rivière ici au Gabon qui est sale. Elle s'appelle Batavia. Tu vas te laver dans Batavia là. L'eau là était sale, c'était bizarre là. Merci beaucoup, tu restes le Jourdain. Mais moi, au Gabon, il y a une eau qui est sale, noire comme ça là. Quand on passe dire ça au chef là, il dit quoi? Il se prend pour qui? Quand Jocelyne se prend pour qui, cette femme là? Elle se prend pour qui? Elle vient, elle mange. Elle n'est même pas maquillée. Elle parle. Voilà. N'est-ce pas? Il avait une petite servante. La servante lui dit que tu ne perds rien. Pas aussi tu te laves, tu vois, non? Souvent, quand vous venez, vous voulez vous faire soigner là. Il n'y a pas d'humilité dans vous. Et je vous dis, je n'ai pas besoin de votre argent.
C'est pas que quelqu'un vient pour se faire consulter. Moi j'ai payé. Je dis que pardon. Elle a payé combien? Elle a payé combien? Rembourser son argent. Bye. Si tu as tes faux esprits là, que tu. Des esprits de cette génération que tu veux venir déposer dans ma maison. Pour que tu pars avec. Pour 50 000. Oh Seigneur, voilà le gars, je ne sais pas s'il y a un peu d'humilité qui est entré dans son corps. Il est parti se laver. Vous allez voir que dans le traitement, Élisée ne l'a pas touché. Élisée ne l'a pas touché. Il lui a donné une instruction. Je vous dis, allez-vous laver avec le pipi. Celui qui veut se lave, celui qui ne veut pas se lave pas. Tu aimes tes problèmes. Il y a un qui vient vers moi. Je dis que ma chérie, tu n'es pas encore prête à changer. Tu aimes tes problèmes. Économise ton argent, n'est-elle pas. Pas. Rembourse-les pas. Bon, je veux le voir prêter. Je ne suis pas le seul endroit où vous allez trouver votre guérison. Vous ne serez pas mes seuls clients. Donc, si on décide de travailler ensemble, ça va être respectement mutuel ou mutuellement respecté. Quand il se rend compte qu'il est guéri, sur la parole, et les instructions d'Élisée. Il revient. Quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'il va m'acheter la voiture. Que dis-moi, si tu envoies la voiture, tu vas dédouaner. Hein? Papa God, il faut seulement qu'il envoie parce que. Quelqu'un m'a dit le modèle de voiture qu'il voulait envoyer. Je lui ai dit que. Même pour faire les courses chez moi, on ne peut pas faire déjà la voiture là, mais justement, c'était le cadeau, c'est le cadeau. Je vous dis souvent que vous les bengistes là, vous pensez qu'on souffre au pays. Juventus, pour ton kit commerce, écris une vidéo, tu vas sur The Gifted Academy, sur YouTube. Tu écris kit commerce de Gifted Academy, tu vas voir les instructions dessus. Noël, là, personne n'utilise mon profil. Quand on met la photo en ligne, quelqu'un peut prendre la photo. Maintenant, s'il prend, il vous scanne et vous tombez, tant mieux. De Guy Tiger Rose, moi, je m'appelle Rose. Je vous ai dit que je ne vous contacterai jamais. Juventus, si tu ne te retrouves pas, il faut venir remettre le kit, on te rembourse. Ne me dérange pas, hein. C'est pas la première fois que tu vas, mais je vais faire ça. L'autre jour, j'ai pas reçu mon kit, j'ai pas reçu mon kit. Renvoie ça. Maintenant, le truc, tu renvoies, ton argent. Faut pas m'embêter. Vous pensez souvent qu'on est à 500 000 près. Je vous dis que la pauvreté n'est pas bien. Parce que vous embêtez les gens. Vous embêtez vos oncles, vous embêtez vos tantes, vous embêtez les gens. Like a pain in the ass, man. Come on. Tu viens ici me demander les instructions. Tu te dis que les instructions dans la vidéo, tu me dis que tu vas te regarder, tu ne te retrouves pas. Tu veux que j'arrête mon direct et te dis comment tu sais. Il est crise. Il est crise. Et vous ne me connaissez pas bien. Vous ne me connaissez pas. Je reviens à mon histoire. Je voulais donner le numéro de la Côte d'Ivoire. Plus 225 05 01 49 05 95. Plus 225 05 01 49 05 95. Quand vous vous laissez faire ici dehors, on vous prend pour 5 francs. Et le numéro du Cameroun pour les rendez-vous 00237
680-71-07-01. Je donne les numéros dans chaque direct. Malgré ça, vous allez toujours partir de Guy Digor Rose, la personne qui a fait un faux profil. La personne-là va encore venir vous escroquer. C'est pas la folie. Elle m'a envoyé l'invitation. Je ne vous inviterai pas. Je n'ai pas le temps. Voilà. Si vous avez compris, vous avez compris. Vous n'avez pas compris, je sais. Quand le monsieur se rend compte qu'il est guéri, je reviens à l'histoire de la Bible. Il commence à cramer, il revient maintenant. Il revient vers Élisée. Oh, petit Élisée. Voilà les richesses qu'il peut te donner. Il peut te donner tout ça. Élisée dit que même si tu me donnes la moitié de tout ce que tu possèdes, je ne prends pas. C'est que ce petit insolent là. Élisée demande son jet privé. Il dit à Gehazi, pardon. Gehazi, c'est le chinda d'Élisée. C'est son homme de main. Tu vois, comme quand tu fais, les gens qui soignent souvent toujours une personne, une main droite. Il y a ma nourriture, il y a mon sommeil, avec mon argent. Même chez n'importe qui. Si il y a ma nourriture que je suis en train de manger, je vais manger. Si je suis en train de dormir, je vais dormir. Et si je suis en train de pointer, je vais pointer mon argent. Vos problèmes de cœur et des. Je suis pas qui t'a ça. Quand Gehazi est là, il est à côté, il voit comment Élisée refuse l'argent. C'est le ministre de l'Intérieur, madame. Tu le chasses. Et un qui vient souvent, il a les grosses voitures devant ma maison. Mince. Ils arrivent. Ils te donnent, hey, tu as fait ça, tu as. Non, moi, je n'ai pas fait. Je te chasse, je ne dis pas. Pas. Mes secrétaires regardent souvent comme ça, que madame. Tu sens bon, oh, je m'en fous. Tu as les ongles manicurés, oh, tu as la cayenne dehors, oh, je m'en fous. N'est-ce pas qu'il a parlé, il a pris sa cayenne, son jet privé, il est parti. Élisée est parti. Il avait laissé dans son homme de main que tu restes, tu prends. Rassemble le staff et puis vous me retrouvez. Trouvez-moi en bateau femme. J'ai donné le numéro de tous les pays. Je suis à Libreville actuellement. À Saint-Germain. Vous voyez UBA qui est à Saint-Germain là. Je suis là. Pas très loin de là. Dès qu'Élisée part, Gehazi reste. Il repart voir celui qui vient de soigner là. Il dit, ah, je viens en Côte d'Ivoire en mi-novembre. Il dit que tu sais quoi, mon maître a dit que tu donnes toutes les choses que tu voulais donner là. Il a changé d'avis. Quand il montait dans l'avion, il m'a dit de venir prendre. Voilà, il ramasse tout l'or. Il y a les gens qui. Leur malédiction, là, c'est dans ce qu'ils ont dans leur main. Il a pris tout l'argent. Il est parti garder. Vous savez ce qu'il a pris? Et quand il est arrivé, il a vu son maître lui a dit que là où tu es là, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc vous là, quand vous venez, vous croyez que les gens avec lesquels je travaille, vous allez les ensorceler. Ou bien vous allez les dérouter. Vous voyez quoi, que vous êtes la plus belle femme. Ils vont vous insulter. Tentez un peu de venir avec les décolletés là-bas chez moi. Les hommes qui travaillent avec moi vont vous dire, madame, ne passez plus comme ça habillée ici là. Ne passez plus avec le genre d'habit là ici. Ils cherchent le mari. C'est mes fils qui travaillent avec moi que tu es venu chercher. Son maître lui a dit que là où tu es là, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien.
sa maladie va venir sur toi. Je précise que les deux personnes n'ont pas touché cet homme dans le traitement. Mais l'homme est parti, il a pris son agent. Son agent qui avait la malchance là. Il voulait venir donner ça à Élisée. Élisée a dit que je ne suis pas moi sur ça. Il a dit, mais que c'est nion. Non, mon côté nion. Quelques heures plus tard, Géasi est tombé aussi, voilà, il a eu la lèpre. À votre avis, la lèpre est passée, comment pour arriver chez lui? Voilà, chacun tire sa part. Celui qui se reconnaît comme personnage là-bas dedans, il se comprend, il se connaît. J'ai dit qu'il n'y a pas de numéro pour Kinshasa. J'ai donné un numéro général pour tout le monde. Maintenant, si vous pensez que votre pays est très spécial et vous ne voulez pas prendre le numéro que j'ai donné ici, là, vous laissez. Vous avez suivi. Au tac, non, laissez. Vous êtes très dur d'oreille. On vous donne les instructions, vous ne voulez pas suivre. Je vous dis... Si tu es à Washington, prends le numéro du Cameroun 00237-680-71-0701. Tu m'écris, moi je suis dans tel pays, je fais comment? Peu importe le pays où tu te trouves, prends le numéro là, tu écris sur ça. WhatsApp ne connaît pas le pays. Hein. J'ai des gens de la Chine qui m'écrivent. Voilà, il y a un monsieur qui veut te donner une enveloppe pour ton fils de Pierre. Et il y a des gens qui savent, ils connaissent ta situation. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois. J'ai élevé ma fille toute seule. Donc pendant au moins 8 ans de ma vie, j'étais single mother. Single mother. La sœur du roi mage du Cameroun. Non, mon papa, peut-être on se connaît dans le spirituel. C'est que les agents de lumière qui sont appelés à traiter les gens, ils se connaissent tous quelque part. Vous aurez ces personnes-là qui vont venir, ils connaissent ta faiblesse. Ah, elle vient d'arriver, elle n'a pas les papiers. Tu deviens une proie pour lui. Tu as froid au cœur. Si je savais ce que élever mon enfant seul m'a fait comme bien. Oh. Oh Seigneur. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris l'indépendance mentale, financière. J'ai appris à compter sur moi. J'ai aussi appris que, de façon ultime, l'homme ne pense qu'à son pantalon. Ou ce qu'il y a dans son pantalon. Et que même si un homme a les enfants de 19 ans, une fille de 19 ans, il est capable de venir te voir, toi de 22 ans avec ton enfant. Il abuse de toi. Il t'utilise. L'être humain n'a pas le cœur. Je dis que c'est tout l'homme. Hein. Tu vois, tu es vulnérable. Tu n'as pas de papier. Tu es avec l'enfant. Tu souffres. Tu te bats comme ça là. Tu te coiffes à gauche, à droite pour survivre. Oh, une bonne proie.
une bonne proie. À ce moment, ton enfant devient comme ton pilier, ta raison de vivre. La raison pour laquelle tu te lèves chaque matin, tu vas chercher. Juventus, je ne sais pas pourquoi j'ai trop envie de te bloquer sur ma page. Je ne sais pas comment. La personne, c'est bizarre. Et pendant ce temps, si tu es ouvert, tu pourras apprendre à gérer ton temps, apprendre d'autres compétences. Même l'enfant, là, tu peux déjà lui monter même le business à 5 ans, 6 ans. Et je pense que la femme ne connaît pas qui elle est. La femme doute d'elle. Beaucoup. Je pense que de façon ultime, toute femme doit savoir, doit trouver son but. Tu dois avoir un truc que tu fais. Jusqu'à l'homme te rencontre comme ça, tu dis que voilà mon entreprise que j'ai construite. Voilà ce que je suis en train de faire. Voilà là où, quand je me lève chaque matin, dès que j'ai apporté mes enfants, ils sont en train de partir à l'école. Voilà ce sur quoi mon énergie part. Et ne t'attends pas à ce qu'il respecte ça. Don't wait for his. Tu attends son approbation. Hein? Qui te dise que waouh, franchement, je respecte ce que tu fais. Même le père de cet enfant-là. Si tu regardes bien, même lui-là, il va te manquer de respect. Donc si le premier et le cinquième se ressemblent, donc tu crois que le sixième sera différent. Et c'est l'opportunité de changer ton identité, ma chérie. Peut-être que tu as eu tes enfants entre 20 ans et 25 ans. Très jeune. Très jeune. Presque naïve. Presque naïve. Et te voilà. Tu dois te redécouvrir, tu dois te réinventer, tu dois... Et la souffrance n'est pas négative. Quand j'ai décidé d'avoir mon enfant à 22 ans, ma famille m'a dit, ok, tu as choisi, non? Financièrement, on n'est plus là. Tu laisses l'école pour aller accoucher? J'ai donc compris que j'ai appris à chercher l'argent. Et j'ai découvert des capacités à l'intérieur de moi que je ne savais même pas qui existaient. Parce qu'avant, ça, j'étais très timide. Tu ne pouvais pas me mettre devant la caméra, vous savez pas. Moi, regardez. J'ai vendu des choses dans la rue. J'ai même évangélisé dans la rue. Hein. C'est évangéliser qui m'a beaucoup aidé pour que je parle comme ça. J'ai prêché dans la rue. Je mettais mes beignets dans le sac en Angleterre. Je marchais. Je proposais dans les magasins ce que j'avais fabriqué moi-même. J'avais pas de papier, donc je pouvais pas aller. Et là, je me rends compte après que ça fait 4 ans que je vis dans le pays ici. Sans papier.
C'est en prostitution. Je m'occupe de mon enfant. Sans aide de l'État. Wow, you're doing good, Jocelyn. Après 5 ans, 6 ans, après je me suis rendu compte que je m'étais transformée. J'ai développé une capacité à me concentrer quand j'ai un objectif. Je me rappelle, j'avais un ex là qui me disait toujours que je ne suis pas gentille. Que je suis trop... Je ne veux pas dire calculatrice, mais... Il était un peu le genre qu'il aimait être ton centre d'attention. Genre, il aime savoir que s'il ne t'aide pas, c'est que tu vas mourir. Et moi, je lui prouvais toujours par A plus B. Que si tu ne viens pas seulement me voir que Jocelyne, tu as besoin de ça, pourquoi tu ne me demandes pas? Me, I don't go ask. Je suis couché dans mon lit la nuit comme ça. Là. J'ai besoin de quoi? D'accord, le loyer. Dedans, il faut qu'on agrandisse le business. Vous savez que je faisais dans du Airbnb. J'avais loué une grande maison. Je louais les chambres aux gens. Donc, ça, c'est un concept que j'ai commencé depuis que j'avais 23 ans. Donc, il m'a trouvé, il a vu une petite fille de 24 ans qui fait ça. Waouh, elle est indépendante. Elle a son argent. Et dans la journée, je coiffais. J'avais toujours des petits trucs qu'elle faisait. Et c'était un comptable. Un comptable à l'Angleterre à l'époque qui devait avoir dans les 4 000 à 5 000 pounds le mois. Il arrive, genre, ouais, moi, le salaire moyen en Angleterre, c'était 1 200 pounds. C'est quelqu'un qui était dans les 4 000, donc tu vois, c'est quelqu'un qui est là, 4 000, 5 000. Pardon. Tous les 2 ans, il changeait sa voiture, dernier Mercedes. C'est pour ça que j'ai eu un petit cric pour les Mercedes. Et c'est après que j'ai compris que c'était une relation abusive. Dans le sens où la personne avait besoin de ma vulnérabilité ou de ma dépendance pour se sentir. Il y a eu des fois où je me suis sentie comme si je suffoquais. J'ai laissé tout ça, je suis partie. J'ai dit, George, you know what? Fuck all of that, man. I'm gone. Je ne peux pas être encore ma petite chambre. Je vis avec mon enfant là-bas. Je me reconstruis. Je prends encore 2 ans, 3 ans. Je me reconstruis. Après, de temps en temps, il me guette. Tu sais, je peux t'aider. Hein? Je peux t'aider. Je dis que non, I don't need help. Parce que j'avais compris que si j'ai un plan, if I have a plan, I know what I want. I just keep at it. I'm going to get it. Cette relation m'a attaché pendant au moins 9 ans de ma vie. Je n'ai pas fait 2 ans, 3 ans. Quand je touche un mur. L'option la plus facile, c'était OK. Demande lui-même de te donner un peu d'argent, non? Dès que je demandais l'argent, c'était l'opportunité pour que la personne revienne encore. Mais je t'ai donné 1 000 euros, je t'ai donné 2 millions de francs CFA. Et tu sais, tu ne devrais pas. Moi, je t'ai toujours dit, il faut que tu partes à l'école, tu dois finir l'école, tu dois... Parce que sans ça, cette personne ne peut te respecter, tu ne peux pas te faire de l'argent. Et vous ne savez pas que ce sont les personnes qui vous nourrissent immédiatement. Évitez beaucoup le immediate relief. Les gens qui sont là pour vous soulager immédiatement. Parce que parfois, quand on te bloque, c'est même bien. Parfois, c'est bien, ma chérie. La personne avait toute cette tendance à dire... Et moi, je commençais à étudier le pouvoir de mon esprit. Le pouvoir de mes pensées. Je me disais toujours, cette personne me dépasse de... La personne me dépassait de 20 ans. Hein. Je suis sûre que dans 20 ans, je serai plus loin que toi. J'avais cette conviction.
Mais quand tu as quelqu'un qui est devant toi, qui est déjà, qui paraît plus riche que la moyenne des personnes, qui fait semblant de s'intéresser à toi, et toi tu te dis, peut-être que c'est moi qui ai de la chance. Maybe, maybe I'm just so lucky. You are a lucky girl. Ce n'est pas que tu as la chance, il connaît ce qu'il calcule. J'ai commencé avec des Give Digger Academy, là, et j'ai dit, wow, what is that? What are you doing online? Just stop that thing. Je dis que je sais pas, j'ai un rêve. I have a dream. I know I can do certain things. I know I can motivate people. I know I can. Who is gonna. Tu n'as pas de diplôme. Qui va valider ce que tu fais? Constamment, il fallait que la personne soit dans ma tête pour me rappeler que tu as été ici là pendant 7 ans, tu n'avais pas les papiers. Une fille qui n'a pas eu les papiers comme toi, tu crois que tu peux faire quoi? Votre vrai combat, ce sera de ne pas retourner dans l'image que l'autre personne a construite de vous. Et il faut que vous partez suffisamment dans cette image pour que la personne se sente à l'aise. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où je me suis retrouvée coincée. Est-ce que vous me dites que ne fais rien, attends. Et parfois, c'est aussi fin que ne lui écris pas, ne l'appelle pas, ne lui parle pas. Je me rappelle un jour, c'était en 2019. J'étais bloquée, mes comptes étaient bloqués en Europe. J'étais là au pays. Et ça faisait peut-être 3-4 jours que je venais de commencer à parler avec cette personne encore. Me voilà, bonjour, comme là. Me voilà. Je parle avec la personne le matin. J'avais remarqué que quand il lui parlait le matin, ça influençait ma journée dans le sens où ça me décourageait. Quelqu'un m'a dit, moi, je suis allé au bureau parce qu'il était directeur d'une entreprise là-bas en Angleterre. Yeah, I went to the office. Yeah, we're going to Mexico next week. Il va au Mexique, il partait parfois à Dubaï pour ses voyages d'affaires. Après, il revenait. Et moi, je suis la toute petite fille comme toi là. Quand tu te dis qu'il fait des voyages, il fait comme ça, il part là-bas, il part là-bas. Toi, tu es là-bas dans ton petit. Et après, on a parlé 2-3 jours. Et si vous regardez bien le système, ça devient une certaine dépendance émotionnelle. Parce qu'il y a des gens qui ne changeront pas. Ils vous ont mis dans une case et vous devez suffire dans cette case. You have to fit in that box. J'ai dû m'éloigner de tout ça pour me réinventer. Il y a des gens que je ne reste même plus avec eux 2 minutes aujourd'hui. Parce que si on marche, peut-être qu'ils vont voir les gens, vont me saluer en route. Je dis, waouh, franchement. Et ces personnes ont tellement voulu me rabaisser dans leur vie. Ça laisse des nerfs. Je dis, je ne peux pas, j'ai trop éteint ma lumière. I dim my light too much. Quand ils vous parlent comme ça, là, c'est mon âme qui vous parle. Vous pensez souvent que vous avez souffert. I don't suffer. J'ai souffert. I don't suffer. I know they suffer anymore. Suffer don't finish. Le jour là, l'esprit me dit, tes finances ont des problèmes aujourd'hui. Et quand vous commencez à marcher avec l'esprit, l'esprit va vous guider chaque jour. Donc tu te lèves comme ça là, quand tu as fait ta méditation, ta prière, l'esprit va te dire que si tout est clair, tu as payé ta dîme, tu as investi là où tu devais investir. L'esprit va te dire. Quand je n'écoutais pas, le matin là, je me lève, je veux prier. L'esprit me dit, cut that man. Je dis, oh, come on. Cut that man. 14 heures.
Je crois que c'est à 11h que je l'ai coupé. Je lui ai écrit, je lui ai dit que tu sais quoi. Tu m'as aimé supporter dans ce que j'ai fait. Quand j'ai même décidé de quitter l'euro pour venir en Afrique, tu m'as dit comment j'allais échouer. Je ne comprends pas comment subitement, 6 mois plus tard, tu veux subitement m'aider. You know what? Don't call me anymore. Je bloque, 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 bloque. Tac. Et je le jouais. Quand je jouais même dans Orange Money, je n'avais même pas 500 francs. J'avais une grande maison. Déjà que pour que ma maison vive chaque jour, il fallait au moins que j'ai 10 à 15 000 quotidiennement. J'avais des employés que je nourrissais, plein de choses. Donc, voilà, je coupe. Il dit que Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit. Le truc, c'est que vous allez me dire que vous n'entendez pas la voix de Dieu. Chacun d'entre vous, vous entendez la voix de Dieu. Mais vous durcissez. Parfois, Dieu va te dire, quitte le gars là. Déménage de la maison là. Parce que l'esprit sait que dans la nuit là où tu es là dans la maison là, il y a un truc. Tu te lèves le matin. Je ne sais pas pourquoi. Tant que tu ne pars pas de la maison là, tu vas voir. Je coupe la personne à 11h. Je dis que Seigneur, tu sais, moi, je sais que tu fais les miracles. Jusqu'au Dieu me rappelle encore, ça fait 3 ans, mais jusqu'au Dieu me rappelle encore. Je dis que je vais aussi voir comment tu vas m'apporter l'argent de tout ci. Je vais voir. Goyo. Ben, il y a un truc qui s'est passé, c'est que dès que j'ai coupé la personne, je me suis sentie légère. Légère. Heures, 13 heures, mes pensées sont là. Tu n'auras pas l'argent, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. 14 heures, j'ai une de mes filles qui m'écrit. Voilà, je viens de faire un Western Union. Je sais pas, depuis 2-3 heures de temps, je suis en train de tourner en ville, je cherche un endroit où je peux envoyer. Il savait qu'au moment où j'ai coupé, c'est le moment là que l'esprit lui a mis à cœur. Va envoyer ta dîme à la reine Jocelyne. Quand vous venez d'arriver dans ma vie, vous croyez que c'est aujourd'hui qu'est commencé mon ministère? Je crois qu'on a envoyé 94 000, un truc comme ça. J'ai dit, waouh. Et je pense que j'avais un chèque qui devait passer à la banque peut-être le lendemain ou le surlendemain. Donc normalement, j'avais des sous qui étaient bloqués, mais il fallait que j'attende. C'était un it was a matter of days. Il fallait que j'attende juste quelques heures. J'ai regardé les choses comme ça et j'ai dit que Dieu, toi, c'est un... On ne peut pas te tester ni te sonder. À partir de là, mes choses ont encore commencé à monter. 3 ans plus tard, deux ans. L'année passée, la personne m'a encore contacté. J'étais encore dans un gouffre. C'est comme si c'était mon dernier tournant. La personne revient encore. Tu sais, je peux faire beaucoup de choses pour toi. Et je me suis rendu compte que ce n'est que quand mentalement, je me laisse dans l'oisiveté. C'est pour ça que votre esprit doit être sharp. Je vous ai parlé des déclarations. Tu as fait tes déclarations matinales jusqu'à ce que tu ne blagues pas. À ce moment-là, il dit, regarde-toi, est-ce que tu vas continuer comme ça? Regarde. Si tu veux, je peux même t'épouser. Hein? Ne tombez pas pour la fête de mariage. Là. Le mariage, ce n'est pas la fin du monde. Suivez. Ah, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. Ah non, don't fall for that.
Je reprends encore la conversation. Chaque jour, l'esprit me dit, arrête la conversation. Un soir, mon centre était en face d'un restaurant bio. Et le directeur, c'était quelqu'un qui était très croyant. Je ne sais pas comment. Chaque fois que je regardais le restaurant, là, je disais, le concept est tellement bien. J'aimerais rencontrer l'initiateur de ce projet. Un jour comme ça, là, il me dit que souvent quand il passait, il me voyait en train de m'occuper des enfants dans mon école. Et que le jour-là, particulièrement, il me dit que je suis à ton entière disposition. On a passé 4 heures de temps. Sa femme nous a servi. Après, on est parti, il m'a monté son projet de l'autre côté de la ville. Il est parti vers Makepe, truc là-bas, Copacabana. Ils ont un grand immeuble là-bas. Ils m'ont monté son projet. Voilà ce que je fais. Il dit, tu sais, on a eu ça seulement. C'était la bénédiction de Dieu. Il s'assoit avec moi, il parle. Il parle de la Bible. Quand il parle, je vois l'esprit me convainc dans le cœur. Que là où tu es là, si tu ne coupes pas totalement cette personne, déjà que même si toi-même tu voulais encore le recontacter, tu ne pourrais pas. Tu dois arrêter. Sur le champ, pendant qu'elle parlait avec l'homme là, j'ai pris le téléphone, tac, tac, tac. J'ai arrêté, je dis que c'est bon comme ça là. Je te libère de ma vie pour toujours. Et certaines personnes, parfois, vous ne savez pas comment ces personnes ont pratiqué sur vous. Ne croyez pas que c'est toute personne que vous rencontrez qui est seulement simple, simple comme ça. Jamais. Bonjour Lucie. Je vous assure que j'ai coupé la personne là 4 jours plus tard. C'est là que ma première vidéo est devenue virale. Sur Facebook. Vous vous rappelez bien, c'est le 19 août 2021. J'ai coupé la personne. J'avais un deal avec une autre radio dans laquelle je passais tous les soirs aussi. L'esprit m'a dit, arrête, tu te concentres seulement. Je ne savais pas que je me concentrais pour faire ça seulement. J'avais mon école, j'avais le coaching que je faisais. Et j'avais ça. Ils m'ont dit de me concentrer seulement sur la spiritualité que vous voyez ici. Deux jours après que j'ai arrêté la relation, je me lève un matin comme ça, parce que l'école était au bord de l'eau. Parcours Vita. J'arrive comme ça. L'esprit me dit, monte sur l'eau. Je prends un pédalo, je monte dessus. Il me dit, fais un direct. C'est le premier direct que j'ai fait sur la page, je suis concernant les choisis. J'avais un kori au centre du front ici, comme ça là. Si vous voyez, mais j'avais une couronne avec un kori ici. Tout ce qu'il dit le jour là. Hein. Donc, comme il était sur l'eau là, c'est comme si l'esprit de l'eau était en train de. Quand il parlait, dès qu'il disait que ah, j'ai seulement que ah. J'ai fini la vidéo. Je crois que j'ai fait 1h20 ou 30. J'arrête la vidéo. Généralement, la période là, quand je faisais mes vidéos, j'avais toujours. Au bout de 3-4 jours, va avoir 500 vues, 1000 vues maximum. Fini la vidéo, j'arrête. J'ai même pas mis mon numéro dessus. Hein. Parce que l'école m'occupait assez, donc je n'avais pas trop de temps pour les autres choses. Mais voilà. Dans la journée, je vois la vidéo, on fait que faire les commentaires, commentaires. Le lendemain, je check, tu vois, c'est 5000 vues. C'est bizarre. 2 jours plus tard, oh là là, j'étais peut-être à 20 000 vues. Hein. Les gens m'écrivent, ils me contactent, je veux te parler, je veux te parler, je veux te parler. En fait, c'est le début de je veux te parler, comme même ce que vous voulez me parler là. Vous savez, chacun d'entre nous a son test. Je ne saurais vous dire que voilà, mon succès vient de telle chose. Mais s'il y a une chose, je suis accro aux instructions de l'esprit.
Aujourd'hui, là, je suis en train de faire le direct parce que l'esprit m'a dit de faire le direct. Je vous parle de ça parce qu'ils me disent de vous dire, de vous parler. Vous gagnerez beaucoup à faire ce que l'esprit vous dit de faire. Parfois, tu fais la délivrance à l'église, mais ça ne. Pour moi, my gold, ma plus grande possession que je chéris, c'est le fait que je sois connectée avec l'esprit. Tous les jours, à tout moment. Parce que c'est ça qui va te protéger quand tu vas monter. Et quand tu vas encore monter. Et quand tu vas changer de niveau. Marie, tu as refusé que tu distribues les habits des enfants. Tu dois faire le salaka. Va dans un orphelinat, fais le salaka. Parfois, on te délivre, mais tu peux encore retomber dans la chose qui t'avait attaché en premier lieu. C'est pour ça que l'esprit doit d'abord s'assurer que tu es éloigné de l'endroit ou de la personne qui te faisait du mal. Quand il parle comme ça, je parle à beaucoup de personnes. Vous êtes encore là, vous êtes encore en train d'accommoder. Vous accommodez encore la chose là ou la personne là. Tu te lèves le matin d'abord. Très tôt. 4h30, 5h maximum. Tu écoutes, fais ta prière. Je vous salue Marie, notre Père. La forme de prière qui t'inspire. Tu demandes, est-ce qu'il y a des choses que je dois arrêter? Est-ce qu'il y a des choses que je dois commencer à faire? Quand l'esprit te parle, tu dois obéir parce que sinon ça ne servirait à rien. J'ai un peu que vous parlez comme ça là après. Et ce qu'il y en a ici là, vous avez été tellement déconnecté de votre intuition. Est-ce que vous pensez que souvent l'intuition te parle, hein? Te parle. Après ton gars vient te dire, ah non, peut-être tu viens d'arriver en Europe. Tu as la conviction que tu peux t'en sortir. Et que si tu suis ton cœur, ça va aller. Voilà ta cousine qui vient. Non, il faut aller faire comme ça. Moi, elle te dit, je suis ici depuis. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur me dit d'aller faire plutôt ça. Bon, je vois vous faire que maintenant vous me donnez vos rêves et tout ça. Je ne vais pas interpréter les rêves, je vous ai dit. Ne soyez pas trop distrait. Parfois, on dit des choses qui sont importantes, mais vous revenez encore avec les petits, petits problèmes. Les petits, petits problèmes. Certains d'entre vous, vous pouvez entendre la voix de l'esprit sur vos problèmes. Si vous aiguisez votre oreille. Je vous dis encore, il faut chérir les moments que je passe à faire les directs ici, là, parce que je peux faire parfois une semaine, je ne passe pas sur faire le direct. Je suis à Libreville. Prends le numéro de Libreville. 074 18 074 18 00 80.
Vous savez, dans le spirituel, il n'y a pas de degré. C'est-à-dire que quelqu'un n'est pas avancé plus que l'autre. Si je n'écoute pas mon intuition, si quand on me parle, je n'écoute pas, je vais redescendre. Si je ne me lave pas au sel, si je ne me discipline pas pour faire mes prières, je vais redescendre. Regarde ça, tu dois faire une libation pour ton visa du Canada. Bon, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que ce que vous écoutez ici, là, ça vous aide pour que vous disciplinez votre vie. OK? Le numéro du Cameroun, c'est le 00237 680 71 07 01. 00237 680 71 07 01. Tous les numéros sont sur ce numéro-ci. 0741, là, ça c'est le numéro du Gabon. Ce n'est pas pour le Cameroun, la Rège. Donc pour le Cameroun, c'est 237 680 71 0701. Pour Libreville, vous pouvez venir aujourd'hui. Je consulte jusqu'à 13-14 heures. Après, j'arrête. Si vous avez besoin d'interprétation de rêve, allez payer quelqu'un qui interprète vos rêves. Ne venez pas ouvrir vos rêves comme ça là récemment aux gens. On te fait peur. C'est pour ça qu'il y a les consultations payantes. Tu as besoin de quelque chose, tu pars, tu payes. Tu expliques ton truc, la personne va te calmer. S'il faut te calmer. Tout ce que tu obtiens gratuitement là, il faut faire attention. Je bénis vos journées, je bénis ceux qui ont les visas qu'ils attendent, les titres de séjour, là, les réponses qu'on doit vous donner aujourd'hui. Je commande que votre nom qu'on avait enfoui là, dans les dossiers, on prend votre dossier aujourd'hui. Je déclare que la file d'attente dans laquelle vous êtes, votre nom passe au début de cette file d'attente. Toute personne qui avait dans votre vie, qui était là pour vous bloquer, pour vous ralentir. Je demande que la lumière soit faite sur cette personne. Cette personne qui est là pour vous ralentir. Toute voix, conseil qu'on vous a donné et vous n'avez pas écouté. Esprit a parlé, vous n'avez pas écouté. Je déclare que cela vous est rappelé maintenant, ça revient à votre esprit. Donc ceux qui veulent les quitter, tout ça là, vous devez... Vous écrivez vos numéros, puis on peut poster. Si vous voulez un pays en particulier, écrivez au Cameroun, on va vous donner le numéro de ce pays-là. Je déclare que vous n'allez pas être distrait. Vous allez être concentré sur votre travail à faire au nom de Jésus. Je déclare que vos pensées ne vont pas chavirer. Je viens vous focaliser sur le pouvoir de votre manifestation. Je dépose sur vous la lumière, je vous sors de tout trou. Enlève les vautours dans votre chambre qui sont là avec les mauvaises pensées pour vous affaiblir. Je déclare que vous avez vaincu toute attaque de pensée. Là où vous avez enterré, on avait fait qu'on ne vous voit pas là. Je vous sors de là, je vous soulève de là au nom de Jésus. Tous ces cœurs dans lesquels on vous a enterré, on a enterré vos business. Je vous sors de là. Je précise sur Facebook que je ne vous contacterai pas inbox. Et je ne suis pas basée au Bénin. Donc, si quelqu'un veut dealer avec vous, vous envoie le contact du Bénin, vous partez dealer avec lui. Sachez que ce n'est pas avec moi. Vous parlez avec un Béninois, Machosa, qui a pris ma photo en ligne. Voilà. Que vos anges se manifestent à vous aujourd'hui. Qu'ils vous guident. Je déclare sur vous la paix de l'esprit.
que vos idées vont se fructifier. J'ouvre votre imagination. Que vous n'imaginez plus seulement votre mal, mais vous voyez le bien. Vous vous voyez en train de recevoir ce que vous avez attendu depuis longtemps. Je déclare que vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas vous décourager, vous n'allez pas abandonner. Vous allez reprendre votre travail spirituel. Vous allez vous relever de ce lit où on vous a déposé. Je vous sors de la dépression, des batailles de pensée. Je déclare que vous voyez le soleil maintenant, le soleil brille sur vous. Je déclare que votre bouche déclare les merveilles de Dieu dans votre vie. J'enlève les mauvaises paroles de votre bouche au nom de Jésus. I can see clearly now the rain is gone. I can see all the obstacles in my way. J'aime beaucoup cette chanson. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Ting, ting, ting. I can see all. Si vous allez sur YouTube, vous tapez cette chanson, une ancienne chanson. Il dit que je peux maintenant voir clair, tous les obstacles ont disparu. Et ce sera une journée ensoleillée. Tu as parfois le moment où tu es sans ça, c'est comme si tout devient noir dans ta tête. C'est un processus normal, hein, ma chérie. Parce qu'à un moment où tu es sans ça, tac, tout est parti. Si tu maintiens ton cap, toi, you are. Voilà. Bonne journée. Je vous bénis, je vous bénis.